Dans le vaste paysage du développement humain, existe une distinction profonde entre la culture proactive d'enfants forts et résilients et la tâche redoutable de réparer des adultes fracturés. Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés, observait Frederick Douglass, capturant une vérité intemporelle qui résonne profondément dans notre société aujourd'hui. Le voyage de nourrir des enfants robustes et émotionnellement intelligents commence bien avant qu'ils ne deviennent adultes. Il commence par favoriser un environnement nourrissant, riche en amour, en soutien et en guidance. Dès les premiers stades de la vie, les enfants absorbent le monde qui les entoure comme des éponges, façonnant leurs croyances, leurs valeurs et leurs attitudes. En tant que soignants, éducateurs et membres de la communauté, nous avons un immense pouvoir pour influencer leur trajectoire de manière positive. Investir dans le développement holistique des enfants englobe non seulement l'éducation académique, mais aussi l'intelligence émotionnelle, la résilience et la construction du caractère. Leur enseigner l'empathie, la gentillesse et la résolution des conflits les dote de compétences de vie essentielles qui posent les bases pour des relations saines et le bien-être émotionnel. Cependant, malgré nos meilleurs efforts, tous les enfants ne grandissent pas dans un environnement propice à leur épanouissement. Les expériences adverses de l'enfance, les traumatismes, la négligence et les injustices sociales peuvent laisser des cicatrices durables sur les jeunes cœurs et esprits. Lorsque ces blessures restent non traitées, elles peuvent se manifester dans une myriade de défis plus tard dans la vie, des troubles de santé mentale, aux problèmes de comportement et à l'abus de substances. Réparer des adultes brisés exige un effort herculéen, nécessitant souvent une thérapie intensive, une réadaptation et des systèmes de soutien. Rompre le cycle du traumatisme intergénérationnel demande un engagement et des ressources inébranlables, aussi bien des individus que de la société dans son ensemble. Pourtant, bien que le chemin vers la guérison soit ardu, il n'est jamais futile. En contrastant les deux voies, construire des enfants forts versus réparer des adultes brisés souligne l'importance cruciale de l'intervention précoce et de la prévention. En priorisant le bien-être de nos enfants et en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour naviguer à travers les défis de la vie, nous les autonomisons non seulement pour qu'ils atteignent leur plein potentiel, mais créons également un effet d'entraînement de changement positif qui résonne à travers les générations. Alors que nous réfléchissons à la sagesse intemporelle de Frederick Douglass, réaffirmons notre engagement à investir dans l'avenir en investissant dans nos enfants aujourd'hui. Ensemble, construisons un monde où chaque enfant a l'opportunité de s'épanouir et où aucun adulte n'est au-delà de la réparation.